Le réveil en douce. Au-delà de toutes les polarités, du plus et du moins, du noir et du blanc, du chaud et du froid, du bien et du mal. Au-delà de toutes les polarités, je suis. Laisse les jugements et les opinions du mental être seulement les jugements et les opinions du mental. Tu existes bien au-delà de ça. Et alors, il est vraiment temps que tu vois au travers de l'absurdité de tes conditionnements. Tu n'es pas celle que tu croyais être. Tu n'es pas celui que tu croyais être. Tu n'es tout simplement pas cette personne. Et dans cette vie même, tu peux t'en rendre compte. Là, tout de suite. Le vrai travail à accomplir, c'est dans l'intimité de ton propre cœur. Toutes les formes extérieures sont séduisantes. Mais le vrai travail, c'est ta connexion intérieure. Si tu médites en silence, si tu ouvres vraiment ton cœur, fais taire ton mental, ouvre ton cœur, calme le mental et ouvre le cœur. Comment calmer le mental? En méditant. Comment ouvrir le cœur? Commence par aimer ce que tu peux aimer. Et continue à élargir ton cœur. Tu aimes un arbre, tu aimes une rivière, tu aimes une feuille, tu aimes un chat, tu aimes un être humain. Va de plus en plus loin dans cet amour, jusqu'à ce que tu aimes le tout, ça, ce qui est la source de la lumière derrière tout ça. Derrière tout ça. Ce n'est pas la porte d'entrée qu'il faut vénérer. Entre dans ton temple intérieur. Tout ce dont tu n'as pas besoin, tu peux t'en débarrasser. Tu n'as pas besoin de solitude, car c'est impossible que tu sois seul. Tu n'as pas besoin d'être avide, affamé, assoiffé. Parce que tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de douter, parce que tu sais déjà la vérité. La confusion, ça consiste à dire « je ne sais pas ». Mais dès que tu es calme, tu découvres qu'en vérité, tu sais. Car en toi, tu sais que les cloisons s'ouvriront l'une après l'autre. Je veux savoir qui je suis vraiment.
C'est comme si en chacune, en chacun de nous, un jour, il y avait eu un feu. Et pour certains d'entre nous, c'est comme s'il ne restait que des cendres. Mais quand tu fouilles dans les cendres, tu trouves une petite braise. Et tout doucement, tu attises cette braise. Tu souffles dessus, elle se ravive. Et à partir de cette braise, tu vas reconstruire le feu. La seule chose qui compte, c'est la petite braise. C'est ce que toi et moi sommes venus célébrer ici. Nous avons vécu notre vie complètement immergée dans le monde. Mais nous savons que notre essence est l'esprit. Nous sommes la conscience. La braise devient plus intense, la flamme commence à vaciller un peu. Et bientôt tu vas te rendre compte que tout ce que nous allons faire pour l'éternité, c'est nous asseoir ensemble autour du feu.